Coucou tout le monde et bienvenue à Green Creek. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction. Pour rester un petit peu dans l'état d'esprit d'Halloween, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui de faire un cimetière et un mausolée. On va se servir du musée pour faire le mausolée. Donc, il n'y aura pas beaucoup de terraforming pour cette vidéo, mais ici on a une grande zone au-dessus du bois hanté pour pouvoir mettre plein de tombes et quelques citrouilles. C'est parti pour les travaux. On va commencer par poser le musée et les motifs. Pour la décoration, j'ai utilisé pas mal de pierres tombales, vous allez voir. Mais sinon, pas spécialement beaucoup d'objets, surtout des petites bougies pour faire vraiment ambiance tamisée et recueillement. Et puis des arbres, comme d'habitude. La petite contrainte de ce speed build, c'est vraiment l'entrée du musée. Je trouve toujours un peu difficile de faire quelque chose avec l'entrée qui fait 3 carrés. Moi, j'aime pas trop faire des chemins qui font plus que 2 carrés ou 1 carré. Donc parfois, c'est pas super facile. Donc ici, j'ai essayé un petit peu de casser vraiment cette entrée. Pour pouvoir retomber sur mes pieds et faire une entrée beaucoup plus bas à 2 carrés. En plus des bougies, j'ai bien évidemment utilisé un max de citrouilles. C'est bientôt Halloween. Perfect. Thank you.
J'ai utilisé le plan de la pierre gravée que je retourne pour pas qu'on voit les inscriptions dessus. Parce qu'elle faisait un petit peu comme ça de tourner, elle ressemble un petit peu à une pierre tombale qui serait beaucoup plus abîmée. Dans les cimetières, il y a toujours une ou deux pierres tombales qui sont un peu cassées. Donc je voulais donner l'aspect d'un cimetière rangé, mais pas trop. Ici, je vais tout décaler d'un carré parce que je trouvais que j'étais trop près avec les barrières de l'entrée, enfin du passage pour le bois hanté. Donc je vais juste tout décaler d'un carré. Et ça sera beaucoup mieux, comme ça j'aurai la place de mettre une petite allée au milieu et un chemin. Voilà, pour que après toutes les zones sur les côtés et le bois hanté puissent se rejoindre. Et donc je fais pareil de l'autre côté puisqu'on est un peu symétrique hein, aujourd'hui. Ici, on a presque fini. Je finis juste par mettre les petites fleurs et les mauvaises herbes pour combler un petit peu l'espace et finir l'arrangement.
Et voilà, mon cimetière et le mausolée terminés. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma petite vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, je vous fais des bisous.